Dieu vini délivrer nous. Voyez, sauveur vini délivrer nous. Voyez, sauveur vini aider nous. Préparer route que nous. Voyez, sauveur, venez aider nous, collaborer pour construire le royaume bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est une joie. C'est une avec un cœur content. Matin, nous entrons la caillou. Nous rentrons la caillou pour nous capables la prière ensemble. Nous rentrons la caillou dans le troisième dimanche en l'avant à Nebea pour nous capables méditer ensemble sur parole mon Dieu. Pour nous capables la prière ensemble. Pour nous capables de réfléchir ensemble sous texte, troisième dimanche, l'avant. Avant nous aller plus loin, nous voulons dire bon Dieu merci. Nous voulons dire bon Dieu merci pour tout ça qu'il fait pour nous. C'est lui-même qui relève nous pour nous capables de la prier ensemble, méditer ensemble. C'est lui-même qui choisit nous. Nous dit merci parce que nous t'es dormi, nous levé et nous avons lumière face le matin qui éclaire. Nous avons lumière face du matin qui a brillé. Nous disons merci. Merci pour tout ça qu'elle fait dans la vie. Nous. Merci parce que les voyez petite Lia pour venir sauver nous. Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère pour que nous fêtions
notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus le Christ et notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le chapitre 1er, le verset 6 à 8, plus verset 9 à 28. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme un témoin. Il est venu comme un témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander « Qui es-tu ?» Il ne refuse pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit, « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit, « Non. » Alors, ils lui dirent, « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même ?» Il répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur. » Comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part de pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc en baptises-tu et tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Et je ne suis pas digne de délier le courroie de ses sandales, de sa sandale. Cela n'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où j'ai baptisé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oh,
problème avec ces murs. Dans le troisième dimanche, temps l'avant à Nébéa, nous trouvons parole, mon Dieu, qui aide nous. Capable de nous réfléchir vraiment sens prédication Jean-Baptiste Tevin fait. Dit Tevin dit Jean-Baptiste s'en vini côté parole bon Dieu a dit il est venu pour le rendre témoignage à la lumière. Lumière, c'est Jésus. Mais les vini, les mêmes, pour être capable de rendre témoignage avec lumière, ça, qui pour aider nous préparer chemin, que nous, aider nous préparer nous-mêmes pour nous recevoir vraie lumière, ça. Jean-Baptiste dit, moi baptisé nous dans de l'eau, mais il y a un monde qui pique grand passé. Moi pas même digne pour me lasser la sept sous l'île. C'est lui-même qui vient pour venir baptiser nous dans de l'eau avec dans Saint-Esprit. Comme avec Sémio, dans la première lecture, dans le prophète Isaïe 61, le verset 1 à 11, qui dit nous, l'Esprit bon Dieu posé sous moi, li voyem comme messager, li consacrem par l'onction, et li voyem pour capable annoncer bonne nouvelle là guérir moun ki malade et penser que cap saint délivrer moun qui nan prison moun qui enchaîné pour ka jwenn libération yo et pour n'accorder yon année de grâce de bénédiction. C'est bon Dieu même qui choisit Jean-Baptiste pour proclamer parole. Même Jean, il choisit depuis le baptême nous pour nous capables annoncer parole bon Dieu. Lui prend nous. Les choisis nous, les mettez nous à part pour lui, pour nous capables annoncer bonne nouvelle là, by tout le monde, by tout coup social. Pour nous capables de casser tête tourner vers le bon Dieu. Dans la deuxième lecture que nous jouons, qui est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 à 24 là qui dit nous soyez dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Les soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Parce que petit bon Dieu a gagné pour venir. Et c'est nous-mêmes qui pouvons rendre témoignage avec lui. Pour nous proclamer parole. Il dit comme qu'elle dit qui est important dans la lecture, qui dit n'éteignez pas l'esprit
Ne méprisez pas les prophéties, mais discernez-la à valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-les. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Puis qu'à nous éteindre l'Esprit Saint dans nous-mêmes. Puis qu'à nous mépriser prophétie. Mais, discerner d'abord. Au proverbe qui dit la nuit toute bête toute main va voler pas la nuit non toute main va voler pas qu'on ni ça qui mal ni ça qui fait mal cela dit t'es pas tout message qui baille ou supposé pour dire amen pour prendre. C'est ça qui me comprend d'après parole bon Dieu ça. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 à 24 là. Il dit que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soit tout entier gardé sans reproche pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. À nous quitter quoi nos propres, sans tache, sans péché, sans nous pas sale ou baptême noir, pour les retourner mettre l'avenir, pour qu'aillent nos propres, sans danger. Pour qu'ayez nous sans difficulté. Dans somme que nous gagnons méditation, hein, mais c'est dans Luc 1er qui vraiment y en somme méditation qui aidait nous vraiment avec Samuel. Pour nous capables de méditer ensemble avec toute lecture, tout l'évangile. Avec Samuel. Je dis, hein, si nous tendez toute lecture, nous avons parlé de la joie. Nous capables reler, je dis, et l'étudier l'église là, c'est rose. L'église là, il y a deux jours qui mettait rose. C'est à carême. Et puis, dans l'Avent, troisième dimanche de l'Avent, c'est dimanche de la joie. Gardez-vous
signifie la joie, exulte de joie. Dimanche, qu'est content. Nous avons toute lecture parlé de la joie. La première lecture, deuxième lecture, somme. Dieu tous les deux parle nous de la joie. A dit, pour nous, même si nous n'avons préparé, mais il faut que nous fassions que nous contentons pour nous recevoir si là qui vient pour venir. Faut nous faire que nous content pas faire figure nous faire pas mettre discipline dans figure nous pas marrer bouche nous quitter un sourire soulève nous pour nous capable accueillir parole bon Dieu lui-même qui c'est lumière qui voit petite li venir joindre nous frère avec Samuel matin Jean-Baptiste dis nous moi ceci là cap relé dans désert cap dit dresser chemin plani route boucher tout pour capable passer pour mettre et pour Jésus capable passer ta co prophète Isaïe dit là Jean-Baptiste tu viens faire un travail colossal moi même avec nous gain pour nous faire même travail ça. Prêcher parole bon Dieu, annoncer parole bon Dieu, dénoncer ça qui mal, dénoncer corruption, dénoncer zak assassinage, dénoncer zak kidnapping, dénoncer malfaiteur, dénoncer criminel, dénoncer méchant, pour être capable de convertir. Et puis, pour la parole bon Dieu, pour vous mettre là vous-même, et pour un pile changement qu'on a fait dans le pays, nous. Dans nous-mêmes, en dans l'église, en dans la famille, en dans le foyer, en dans la chorale, en dans le groupe, dans la boîte de l'État, en dans le palais national, en dans la chambre Sénat, en dans la chambre député. En dans chambre magistrature, en dans corps police, en dans corps simo, quel que soit parti que lié a, nous besoin pour nous faire lumière à jaillir. Nous besoin pour nous témoigner lumière bon Dieu à tout le monde, annoncer. C'est Jésus qui dit la parole, si nous peut parler. La fait roche parler. En nous rendre lumière ça, témoignage. En nous proclamer parole ça, frère avec ses mieux, tout côté nous passer. Dans la famille, nous, dans les amis, nous. Faut capable de dire méchant qui l'a caïwa. Faut le changer. Faut capable de dire papa qui gagne péristyle là, maman qui gagne péristyle là. Pour annoncer la parole, mon Dieu, pour capable changer. Parce que Jésus dit dans la parole, il n'y a pas de méchant à mourir sans ne pas convertir. Il n'y a pas de criminel à mourir sans ne pas convertir. Il n'y a pas de malfaiteur à mourir sans ne pas convertir. C'est pour ça que le voyage Jean-Baptiste vient annoncer la parole à tout le monde pour capable baptiser et pour nous recevoir pardon. Miséricorde, bon Dieu, dans nous. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour tout ça que vous faites pour nous. Baby.
Ta cour, Saint-Paul, t'a exhorté nous pour nous capables prier sans relâche. En nous prier, bon Dieu, comme maintenant, lui-même qui fait merveille pour nous. À nous, avec confiance, à nous présenter toute demande, prier nous. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Tu as confié à l'Église, en Seigneur, la mission d'annoncer la joyeuse nouvelle du salut et de là à communiquer au monde ce message de bonheur, nous t'en prions. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Tu veux la paix et la justice, Seigneur, pour toutes les nations, spécialement le peuple haïtien. Éclaire ceux et celles qui dirigent nos sociétés, notre pays. Nous te prions. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Tu nous envoies, Seigneur, guéris les cœurs brisés par la solitude, l'indifférence et l'injustice. Rends plus généreux et audacieux nos choix de vie et nos projets, nous t'en prions. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Tu te soucies, Seigneur, de l'avenir de l'humanité. Donne aux jeunes courage, créativité et espérance, nous t'en prions. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Tu nous assures, Seigneur, de ta présence au milieu de nous. Fais que nos communautés chrétiennes soient heureuses de croire, nous t'en prions. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour tous les malades, pour tous les opprimés, pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Pour tous les malades connus et inconnus. Seigneur, donne-leur la guérison, si c'est possible, selon votre cœur. Écoute nos prières. Seigneur, exauce-les. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Chaque gagne une mission, nous chaque recevoir un don pour nous capables de travailler pour mon Dieu. Nous travaillons gratuitement. Nous chaque gagne un don.
nous chaque recevoyons qui choye pour notre travail pour bon Dieu. Même Jean-Baptiste t'es sorti après baptême, il t'a prêché parole bon Dieu. Il t'a prêché, annoncé bonne nouvelle là. Il t'a fait un travail colossal. Pendant il t'a invité chaque monde changer la vie. À nous chaque chrétien pour ne pas peur parler, pour ne pas peur prêcher parole bon Dieu de côté que nous passé. Et comme ça, pour un peu le monde va changer cœur, un peu le monde va tourner vers mon Dieu. Et comme ça, pays noir va tourner un pays de succès. Pays noir va tourner la plus belle des Antilles encore. Il n'est pas prêlé la poubelle des Antilles, mais la prêlé la plus belle des Antilles. Comme lui promettent que pays noir gen pour tourner lumière des nations. En nous demandant bon Dieu pour capable ouvrir cœur nous comme chrétiens, pour capable aider nous chacun comme petite lit vini joindre grâce pour capable continuer la prière yon avec l'autre yon pour l'autre et comme ça pour un peu le monde capable changer. En nous demandant bon Dieu pour pas quitter nous caché yon côté, pour pas quitter nous rester dans tiwa, mais pour faire nous sortir tant que pape François dit comme et yon l'église en sortir yon chrétien missionnaire pour nous capable aller à dans ces paroles de tout côté que nous passer. C'est pas ni pour aujourd'hui mais pour tout temps qui va gagner temps. Amen. Fouille au journée, hein, n'a pas tout journée, hein, d'accord, n'a pas fouille. T'as pu protéger nous pour nous capables de continuer faire ce travail qui est au moment de nous faire. Aider nous pour nous capables de marcher selon ça qui est au moment de nous faire. N'a pas fouille tout le monde qui m'a donné la prière pour vous. N'a pas fouille tout le monde qui besoin secours dans mes et qu'on s'agamette. Pour nous capables, je viens grâce à ça. C'est pas ni pour aujourd'hui, mais pour tout temps qui va gagner. Amen. Comme être tout ça qui nous pas dit, toute prière qui nous pas dit, tout monde qui nous pas intention oublié, ajouter dans notre Père, n'a pas fouillé tout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. En Marie, ou ses premiers missionnaires, ou ses premiers évangélisateurs, évangélisatrices là, t'as pris, maman, aidez-nous pour nous capables de proclamer parole, mon Dieu. Aidez-nous pour nous capables de sortir, même Jean ou même, vous êtes sorti, vous avez visité Elisabeth. Vous avez une mission, vous avez visité là. Vous pas traité la caillou, monter montagne, vous avez rendu service. T'as pris, aidez-nous, maman, pour ne pas chiter la caillou. Continuez, ben nous, plus force, maman, conduis-nous, poussez-nous, tout le chanté a dit, poussez-nous sous mon nom, pour nous capables d'aller. Prêchez parole, mon Dieu. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Comme Jésus, mes journées, hein, qui nous levait devant, protégez-nous. Continuez ben nous la paix dans le pays d'Haïti, la paix dans la famille, la paix de tous côtés. Et comme ça, nous va passer une bonne journée.
protéger famille nous en bas avec kidnapping, protéger famille nous en bas avec violence, protéger famille nous en bas avec assassinat. Et comme ça, pour nous capables continuer faire louange et compliment pour vous. Et nous pas fait prière ça dans pas nous matin, mais nous te fait. C'était dans nos papa et petite là avec l'Esprit Saint. Amen. Bonjour tout le monde. Bon dimanche de l'avant. C'est pour bon Dieu continuer. Bénis-nous. Bye bye. Fais que nous content. Exulte de joie dans le Seigneur. Amen. Thank you.